Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une situation, vous voyez, qui en ce moment envahit vos pensées. On a l'impression qu'en ce moment, on est un peu partagé. D'un côté, j'ai plein de projets, tu vois, ou bien peut-être plein d'idées en tête. De l'autre côté, je m'inquiète aussi un peu pour mes finances. Et puis il y a aussi le sentimental. On a l'impression que vous avez l'esprit un peu partout. On a l'impression ici qu'on a fait un gros nettoyage, tu vois, comme un nettoyage de printemps à l'automne dans nos vies. Et c'est réellement ce qui fait qu'en ce moment, ben, on est en train de faire le bilan et on est en train de réaliser que c'est bon. Je me sens un peu plus libre, je suis un peu plus libérée, je me sens un peu mieux, vous voyez, dans de bonnes énergies. Donc j'ai envie d'y aller là. On ressent comme le besoin de partir dans une direction. Je ressens comme le besoin de poser une action. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau des finances, ou bien même, vous voyez, au niveau pro, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse changer la donne. Et on le sait, on le voit, on le sent. Et pour certains, vous allez poser cette action. Ça peut être un accord qu'on prend, vous voyez, par rapport à nous-mêmes. D'accord, je décide de faire ci ou de faire ça et je le ferai. Vous voyez? Ouais. Ici, on a un projet encore. Pour certains, ça peut être un désir, vous voyez, de fonder une famille, de fonder un foyer. Ici, on a l'impression qu'on est comme dans une grosse synthèse, dans un gros bilan. Je fais le bilan. Peut-être même de l'année. Tu vois, je fais le bilan de l'année et je regarde ce que j'ai fait et je regarde aussi ben, ce que j'ai pu laisser de côté. Vous voyez, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné. Ici, vous faites bien pour certains. On a l'impression que. C'est comme si on était parti, vous voyez, au début de l'année, on était un peu cassé. Ouais, j'étais un peu cassé. Je savais pas forcément où j'allais et je savais pas forcément ce que je voulais. Il y a des situations et des personnes qui sont sorties de ma vie et maintenant j'y vois un peu plus clair. Vous voyez? C'est comme si on était en. J'arrête de contrôler et j'arrête de vouloir m'agripper à certaines situations et à certaines personnes. Ici, on a une situation qui arrive vite vers vous et qui vous permet, vous voyez, comme d'améliorer votre situation au niveau des finances. Ouais. On nous montre ça d'ici la prochaine lune. Donc, comme une situation où on va vous demander de rester attentif. D'accord? Je reste attentif, attentive. Voir si la situation, elle me plaît ou pas du tout. Si l'idée que j'ai en tête, ben, c'est quelque chose qui peut me mener, tu vois, à. Une évolution, tu vois, est-ce que ça va réellement me permettre d'évoluer ou au contraire, c'est une situation qui est là juste parce que j'ai envie, tu vois, de mettre quelque chose de nouveau en place dans ma vie. Prenez le temps de faire la synthèse. Vous avez raison, que vous soyez un homme ou une femme, prenez le temps de faire la synthèse. Prenez le temps de faire le bilan. C'est bien ce que vous faites. Ici, on a l'impression qu'on. Je veux pas agir, tu vois, de manière précipitée. Je veux pas faire de choses non plus sur un coup de tête. Je veux vraiment que tout soit carré et que je perde pas en stabilité. Ouais. C'est ça. On a la réussite pour vous dans une démarche, dans un projet pour certains. On a comme un projet. Ça peut être aussi le fait de trouver un emploi. On a réellement l'impression ici, vous voyez, qu'on s'est beaucoup protégé à certains moments. Comme une situation où. Tu sais, c'est comme si j'avais tout fait. J'avais tout fait, j'avais tout mis en place pour un peu comme satisfaire, on va dire, les personnes qui m'entourent, la famille, les enfants pour certains, la personne avec qui on était en relation, mais comme des situations qui ne nous ont pas forcément apporté grand-chose. Alors. On ne regrette pas ici ce qu'on a fait, mais on réalise qu'on a dû beaucoup s'oublier. On réalise que par moments, ben, il y a peut-être des signes ou des choses qui me mettaient en alerte, mais des choses sur lesquelles ben, je n'ai pas forcément focalisé mon attention
Aujourd'hui, je vois, tu vois, qu'il n'y a pas possibilité de. Ben, je ne peux pas revenir en arrière, je suis obligée de vivre avec ça et du coup, je vivrai avec. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce n'est pas facile. Et du coup, ici, on fait un gros bilan et une grosse synthèse. Hein. Ici, pour moi, c'est un truc, c'est sur l'année. Hein. Tu vois, je regarde en arrière, je regarde ce que j'ai fait, tu vois, de ma vie. Pour ceux qui sont célibataires avec des enfants, ouais, on en a ici. On a l'impression que. Là, on est juste en train de réaliser que l'année se termine. Oui, je suis en train d'évoluer au niveau, tu vois, pro, au niveau des finances, j'ai quand même un certain équilibre. Mais à l'intérieur, j'ai toujours, tu vois, cette sensation d'être cassée. J'ai toujours là, tu vois, comme une grosse tristesse, une grosse peine que je me trimballe. Et moi, ce que je veux, c'est juste que ça s'améliore, juste que je sois dans des pensées plus positives et puis dans des énergies beaucoup plus positives. Il y a une situation qui est totalement cassée avec un conjoint ou, vous voyez. On a vraiment l'impression que pour certains, vous voyez, c'est comme si on pense à partir. On a un voyage ici. On pense à partir. On pense à se rapprocher, vous voyez, de personnes qu'on connaît. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des amis, vous voyez, parce que ben, je ressens le besoin de sortir de mon environnement, je ressens le besoin de prendre l'air, je ressens le besoin de voir autre chose. Ouais. On a beaucoup fait preuve de courage, on s'est beaucoup accroché. On a beaucoup gardé espoir, on s'est dit je vais retrouver la stabilité coûte que coûte et puis les choses vont s'arranger. C'est un peu dans mes pensées et puis là je réalise un peu que je me suis un peu fait des illusions. Ouais. On nous dit ici, à l'hiver vous recevez une proposition. Vous voyez? Comme une proposition qui vous permet, allez, jusqu'à la période du printemps, d'accord? De maintenant jusqu'au printemps, d'être un peu plus calme. De retrouver une certaine stabilité. Ouais. On a réellement une situation pour certains où on sent fortement le besoin de déménager aussi. Et si j'ai besoin de déménager, et si j'ai besoin dans certaines situations, tu vois, même d'acquérir un bien, ça fait un petit moment que je suis en train de tourner, ça fait un petit moment que je me pose des questions. Ici, on n'a pas forcément, vous voyez, d'acquisition de suite. On a, vous voyez, des obstacles sur la route. Mais ici, à l'hiver, vous recevez une proposition qui vous permet, vous voyez, de vous expanser, en tout cas, de voir vos finances évoluer. Ça va vous faire du bien. Ici, pour certains, on a une femme, vous voyez, de votre entourage. Hein. Quelqu'un pour moi qui a la possibilité de vous tendre la main. Quelqu'un pour moi avec qui, ben, j'ai envie de dire. Alors, je vais pas dire qu'on peut faire des projets avec elle, d'accord? Parce qu'ici, on ne peut pas forcément faire de projets avec elle, mais c'est quand même une personne qui pourrait, en tout cas, qui pourrait être d'une grande aide pour vous. Comme une situation, vous voyez, où, même si c'est juste pour parler et échanger. Vous voyez, j'ai besoin de parler, échanger et de parler avec cette personne, ben ça pourra vous faire énormément de bien. Hein. On voit d'ailleurs pour certains que vous vous inquiétez énormément pour une personne de votre famille. Comme une situation où je sens qu'elle n'est pas forcément bien. Ça peut être une mère, une grand-mère, une tante. Je sens qu'elle n'est pas forcément bien, qu'elle n'est pas forcément, vous voyez, dans de bonnes énergies. J'essaie de lui faire des propositions. J'essaie d'essayer peut-être même de prendre de ses nouvelles par moment. Mais on n'a pas, on la sent pas forcément, vous voyez, ce qui peut nous faire très peur. Il y a quelqu'un qui sera encore là jusqu'à la période de l'été. Vous voyez, bon, je sais pas pour après, on ne nous montre pas après, mais à l'été, elle est encore là, vous voyez. On a quelqu'un pour moi qui n'a pas forcément envie de s'exprimer, quelqu'un pour moi qui ressent un grand vide, vous voyez, à l'intérieur. Elle n'a pas forcément envie de vous en parler. Elle n'a pas forcément envie de vous montrer aussi qu'elle peut être en colère. Elle garde tout pour elle. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, il y a une évolution, vous voyez? Par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, quelque chose comme ça, un procès même, ça peut être un procès. Ouais, ça prend du retard, hein. Ça fait un petit moment, tu vois, qu'on aimerait que cette situation, elle se termine. Ça fait un petit moment qu'on se demande est-ce que réellement, tu vois, enfin, je vais recevoir la nouvelle qui va me permettre de me libérer. Ici, la nouvelle arrive de manière imprévue et vous permet enfin de vous libérer de ce procès. Ça peut être un héritage, vous voyez, ça peut être aussi.
un divorce, ok, je vais recevoir, tu vois, peut-être une notification, un courrier, un papier important qui va me permettre de totalement me libérer. Pour ceux qui sont en relation ici, on a l'impression que vous vous sentez comme dans une impasse. Ouais. On n'a pas réellement l'impression, vous voyez, que... Alors, on est en relation, qu'on habite ou qu'on n'habite pas ensemble, et ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'enfants. D'accord, dans un premier temps, on a réellement une situation où on sent que niveau communication, c'est pas trop ça, quoi. On a l'impression d'avancer de deux manières totalement différentes ou de partir, vous voyez, de deux côtés totalement opposés. Oui, deux côtés totalement opposés. Mais on vous dit qu'il y aurait un retour au calme. Pour ça, il faut qu'on puisse se parler avec honnêteté, avec sincérité, qu'on puisse se dire les choses pour que ça puisse totalement changer la donne. Ici, on voit que vous pouvez, vous voyez, vous entraider. Ça va vous permettre de vous sentir moins seul parce que les deux, on vous sent assez isolé, vous voyez, que ce soit de vos proches, des amis, de la famille. On a plus l'impression ici, dans cette situation, on est plus des amis qu'un couple et ça peut déranger. Mais vous pouvez en parler. Je pense que ça va vous faire du bien. Ici, vous allez recevoir des nouvelles en plus, hein, d'accord? De membres de votre famille. Ouais. Ici, on peut avoir pas mal de mauvaises pensées pour certains. Ouais, pas mal de mauvaises pensées. Et ça, c'est par rapport, vous voyez, à notre vie un peu sentimentale. Comme si on s'est disputé avec une personne, on a pu se prendre la tête. Ouais. On a pu se prendre la tête. Et c'est vrai qu'en ce moment, on se demande, ben, est-ce que réellement il y a un retour? Est-ce que réellement on peut repartir sur de bonnes bases ou pas du tout? Ici, on manque un peu de confiance, vous voyez, en l'autre. J'arrive pas à lui accorder ma confiance. J'arrive pas à me dire que cette personne, elle est réellement sincère et honnête et qu'on va réellement pouvoir repartir sur quelque chose de bien. Ici, on vous dit que vous allez le voir de toutes les façons, que c'est une situation qui va changer. C'est sûr, ça risque de vous faire douter un peu, mais on a quand même une situation, vous voyez, qui peut avancer, qui peut évoluer. Par contre, il faut qu'on puisse regarder la situation, en tout cas, ouais, en face, d'accord? Et que vous osiez aussi vous affirmer face à cette personne. D'accord? La personne, elle peut faire des choix. Ok? Elle a le droit d'être de mauvaise humeur, mais je peux quand même la freiner quand je sens qu'elle dépasse mes limites. On sent ici, vous voyez, comme des imprévus. En tout cas, ici, il y en a un. D'accord? Il y a un imprévu qui vient se placer en travers de votre chemin au niveau sentimental. C'est comme une personne, vous voyez, avec qui on s'est disputé, qui arrive. J'arrive là. Tu vois, on va essayer de remettre les choses au clair, on va essayer de remettre les choses dans leur contexte. Et si c'est une personne avec qui, ben, je peux pas, j'essaie de te faire confiance, hein, mais à l'intérieur, il y a un truc qui me dit de ne pas y aller ou de ne pas y retourner, que l'autre joue un peu la carte de la ruse. Ici, prenez le temps de vous poser les questions. Parce que ici, il y a pas mal de situations, vous voyez, qui vont prendre fin, pas mal de situations, ben, auxquelles on a essayé de s'agripper et puis qu'on va totalement lâcher parce que, ben, j'ai plus envie de me faire plein de soucis, j'ai plus envie de me poser plein de questions. Et pour certains, on vous voit beaucoup faire preuve de sagesse. Vous voyez? Quand je me prends la tête ou quand je me heurte à une difficulté, je me dis, allez, allez, c'est juste une difficulté, tu t'es juste embrouillé avec une personne, c'est pas grave, il n'y a pas forcément, tu vois, de loup dans la situation, et puis que ça va avancer, et puis que ça va évoluer. Mais ici, c'est comme si, ouais, le gros nettoyage, tu vois, de printemps à la période de l'automne, ça va me faire du bien que je puisse repartir sur de bonnes bases. Il y a des choses que je dois laisser de côté. Ici, pour certains, on a l'impression, j'arrête de me battre. Comme j'y arrive pas, quand je me bats, je vois que ça ne change pas, ou bien même des fois que ça peut envenimer les situations, ben moi j'arrête de me battre et en lâchant prise pour certains, ben là hop, on repart, vous voyez, dans une autre dynamique. Et là, ben plus on avancera et plus on verra des personnes et des situations, vous voyez, se représenter et je ferai mes choix après. Soit je termine, c'est terminé, c'est terminé, ou soit je décide, tu vois, de pardonner dans certaines situations. En tout cas, ici, on aura la possibilité de renouer les liens, même de renouer le contact avec certaines personnes, et ça pourra vous faire du bien, si vous désirez vraiment aller dans ce sens. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.